went by the plan till the very last moment. I mean, the prognosis were that the start is gonna be a strong wind, and then 3 days of we don't know what. And it was exactly like that. So my plan was that strong wind to try to be as rested as possible for last 3 days to sail all the time, because in changing conditions you just don't have time to sleep. And my strategy worked till the last moment when I was trying to cross the finishing line, which was the enter of the harbor, and this big ship came out, so I had to make a circle. And there's so much current outside the harbor that, yeah, I was dragged away from the entrance, and there was no wind after that, so I needed another 4 or 5 hours to get through the finishing leg again. So yeah, I finished 4th in Proto. Yeah, it's still okay, but I mean, it's not that much about the result. It's about 3 days of hard work and then losing it at like the last meter. Yeah. For the way back, it's a payback time. J'ai vu ton mec à la IS qui passait entre les deux îles, il allait super vite, je me suis dit oh merde, qu'est-ce qu'il m'a mis et tout. Ouais, ça va. Je suis content d'être arrivé. Première nuit, je passais pas loin d'un dématage, donc je suis content d'être arrivé déjà, c'est pas mal. Et après, quand ça a envoyé le spi, il y avait pas mal de vent. Moi, j'étais pas du tout à l'aise. C'était la première fois que j'envoyais le spi dans ce temps-là, donc du coup, j'ai vite fait un départ au tas. Et après, pendant 24 heures, tout le monde était sous spi et moi, j'étais sous solène parce que je me sentais pas de renvoyer le spi. Mais finalement, après, j'ai réussi à bien remonter la flotte. Ça s'est bien passé et tout. C'était vraiment chouette comme nav. Première expérience un peu transocéanique, donc c'était cool. Et puis là, les deux derniers jours, là, c'était vraiment dur pour les nerfs parce qu'il y a eu pas mal de pétoles et tout, de courants contraires. Donc c'était vraiment dur, mais je suis contente d'être arrivée, c'est cool. La fin était dure. La pétale, c'était rude. C'était rude pour les nerfs et ça a pris plus longtemps que prévu. Moi, j'avais juste envie d'être à Horta et de profiter de l'escale, mais ce serait un peu plus court que prévu. J'ai eu beaucoup d'animaux là, c'était un peu l'aquarium dans les deux derniers jours là. T'avais des baleines, des cachalots, des dauphins, un peu de tout. Trop bien, quoi. Et puis beaucoup de stratégies en fait, on se pose beaucoup de questions et il faut décider vite par où on va et où est-ce qu'on croise les dorsales et où est-ce qu'on prend les fronts, donc pas évident. Mais cool d'arriver dans les 10 premiers quand même, je suis trop contente. C'était un peu long. Pas mal de solitude là du quatrième jour là après le passage du DST. C'était cool hein, mais pas mal de molles, des petits passages de front, il y en a qui ont eu beaucoup de vent, il y en a qui ont eu pas d'air. Moi j'ai plutôt eu pas d'air. Et voilà, des options pas forcément faciles à gérer, mais c'était cool. Ouais, c'est le manque d'air sur la fin, j'aurais voulu peut-être plus l'anticiper. On le savait hein, qu'il y avait un anticyclone qui était posé sur les Açores et ouais, un peu déçu de la gestion de cet anticyclone là. Et il y avait un passage par le nord qui s'est plutôt bien goupillé. Du coup ouais, c'est un peu cette fin là qui me met un peu amer. Hello. Salut. Ça va? Très bien. Alors dur? Dur certains moments, mais non, très content d'être arrivé et puis prêt à repartir presque. C'est énorme, comment tu vas? Bien, merci. Pas dormi la dernière nuit. Et puis aujourd'hui, partir de l'arrivée aux Açores, là il y avait beaucoup de choses à faire, donc pas beaucoup de sieste, du vent très instable. Mais sinon, un bon rythme de vie à bord, de la régate avec des copains aussi, donc c'est très bien. Ouais. Hâte de découvrir l'île. Hein. Bah, ça va, j'ai repété une dent. Et du coup, là j'ai le nerf qui est touché, je pense. Ouais, quand même, bah, ouais. On a le droit. Tu la bois sans qu'elle touche les dents. Mec, bien joué, c'est une belle bataille. Hein. Ah bah ouais, c'était cool, sympa. La fin. Ouais, sympa. À part ce petit problème dentaire, ouais, tout nickel. Bien. Tout nickel. Ça va, il est content d'être arrivé quand même. Tout bien? Bah, j'aurais pu finir mieux, mais bon, c'est comme ça. Beaucoup de solitude, j'étais tout seul tout le temps.
je croisais personne. Cycle de bateau. C'était pas facile et surtout une arrivée compliquée où il y a tout le monde qui revient par derrière et ça fait mal au résultat. Ah bah le retour faut tout niquer hein.